général de l'ONU que tu as acclamé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? C'est le président de la France que tu as acclamé. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant? Dieu te bénisse. Assois-toi, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous dire merci. Ah, j'ai vu que le piano était en panne. Je t'assure. Excusez-moi. Je voudrais vous dire merci pour votre hospitalité. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous. Merci aux responsables de l'Église qui ont vraiment accepté que nous puissions passer cette semaine-là ensemble. Allègrement, nous sommes en train de partir vers la fin de cette campagne d'évangélisation. Et une campagne d'évangélisation, c'est comme une sémence. Lorsque la parole est prêchée, il y en a plusieurs qui reçoivent leur grâce. Même après la prédication, beaucoup vont continuer à recevoir leur témoignage. Amen. Amen. Il y a une soeur qui m'a rendu témoignage hier quand on a fini. Elle m'a dit, pasteur, quand on a fini de prier, je crois le dimanche, le lundi, elle a reçu une augmentation de son salaire. Amen. La prochaine personne dont on va augmenter le salaire, c'est toi au nom de Jésus. Si tu ne pas dire, je reçois au nom de Jésus. Dis-moi, je reçois au nom de Jésus. Il y a un autre frère qui m'a appelé hier soir et dit, pasteur, quand on a fini de prier, arrivé à la maison, il y a des choses étranges qui se sont passées dans ma maison. Même jusqu'à ce que de l'huile chaude, de l'huile chaude, que l'huile chaude puisse se renverser sur le frère, pourtant ça ne lui a rien fait. Tous les dangers que le diable a envoyé contre toi, il a échoué au nom de Jésus. Il a échoué au nom de Jésus. Plus fort, il a échoué au nom de Jésus. Le diable ne peut pas m'avoir. Il a vécu. En 2017, il a vécu et il est chassé. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Versets 1 à 17. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse, c'est le tout dernier livre de la Bible. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il y a des moments chantants. Il y a des moments. Il est l'agneau de Dieu. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse, chapitre 5. Il est écrit. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Scellé de combien de sceaux? Sept. Ok. Et j'ai vu un ange puissant. Un ange comment? Puissant. Qui criait d'une voix forte. L'ange faisait quoi? Qui criait d'une voix forte. Merci. Qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre,
ni sous la terre, n'ai pu ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Amen. Il est là. Seigneur, magnifions-le, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est la source de la paix. Bénissons le Seigneur, bénissons.